Le bureau exécutif de l'association des ressortissants de Pita a été élu à l'unanimité dimanche 19 novembre à Simon Bossia, quartier de la commune de Ratoma à Conakry. Son objectif principal est de fédérer les filles et fils de Pita pour un développement social, économique et culturel. Après son élection par les représentants des 11 sous-préfectures et de la commune urbaine de Pita, le nouveau président de l'ARPP est revenu sur les différentes missions assignées à l'association. C'est de fédérer d'abord l'ensemble des citoyens de Pita, ensuite d'identifier les besoins au niveau social, au niveau économique, au niveau culturel des populations de Pita pour essayer de travailler en synergie avec elles pour le progrès, l'entente et l'harmonie de la communauté des ressortissants de Pita à Conakry et avec, bien sûr avec ceux de l'intérieur de la préfecture. C'est de faire en sorte que la coordination nationale des Fulbe et Alepula reconnaisse le bureau qui a été mis en place et de faire en sorte que l'association participe pleinement à la définition des objectifs de la coordination et ensemble travailler pour sa mise en œuvre afin de faire profiter la communauté nationale de la Moyenne Guinée du Fouta-Jallon. De son côté, Colonel Moussa promet que lui et ses collègues font se battre pour la réussite de la préfecture de Pita. C'est une fierté pour moi de participer à cette élection et être le troisième vice-président de cette association du développement pour la préfecture de Pita. Nous allons nous battre pour la réussite des points clés pour le développement de la préfecture de Pita. Je demande à tous les ressortissants de Pita de s'unir autour de cette association pour la réussite du développement de Pita. C'est notre objectif. Elle est apolitique. Les membres du bureau, en compagnie d'une forte délégation, se sont rendus chez le président de la coordination des Fulbe et Halipoula Rakipé. Celui-ci a pris acte de l'élection. Donc, on dit à faire un dodo. Merci. Après leur consécration, El Hadj Mohamed Djoumaba et son équipe vont se retrouver pour commencer leurs activités. Très prochainement, ils se rendront à Pita pour présenter l'association aux résidents de la préfecture en vue d'avoir également leur approbation.